On réalise des fantasmes. Qu'est-ce qu'on fait? Toi, t'es une magicienne. Tu transformes les fantasmes en réalité. Tiens. Vas-y, mon épée. Plante-la si tu le veux dans ce cœur loyal. Et libère une âme qui t'adore. Sans des soucis. Je n'en soucie guère. Allons, bonne carte d'arrivée. Car décidément, vous ne vous échapperez pas ainsi. Je vais vous exaspérer si je reste, laissez-moi. Mais non, mais pas du tout. Ah oh. Connaissez le terme? Vous devez donc savoir qu'au poker, on joue pas avec sa main, mais avec celle du joueur d'en face. Oh, et personne n'a de secret pour vous. Eh bien, jeudi dernier, j'étais à Londres pour voir le notaire. Je suis tombé sur Audrey par hasard. Tu ne me l'as pas dit? Eh bien, je te le dis maintenant, c'était du pur hasard. Je traversais le parc, elle était arrivée en face de moi. Puis peut-être que tu m'aimais plus quand j'étais fauché parce que ça faisait du bien à ton ego. Tu te fous de moi? J'ai essayé mon nouveau poney, il était parfait. Voyons, et ton père, ça va? Ça va, alhamdoulilah. Et ta femme, ça va? Laquelle? Vous êtes tous là à vous engorger avec votre rhétorique du pacifisme. Oui, mais si la guerre disparaissait. Et c'est là. C'est là qu'il a été retrouvé. Oui. Permettez-moi de vous faire remarquer que je suis en quelque sorte. Je suis mariée. Oh, c'est bon. Terre, ouvre ta gueule béante pour l'avaler vivant comme tu avales le sang de ce bon roi que sa main, dirigée par l'enfer, a massacré. Veuillez m'excuser, Ivan Vassilievitch, mais je n'en crois pas mes oreilles. Il faut que je sois avec quelqu'un, je ne peux pas rester seule parce que, comme tu t'en es peut-être aperçu, je ne vais pas très bien. Mon frère est roi de France. Les deux autres lui succéderont s'il n'a pas d'enfants, et leurs enfants leur succéderont à leur tour. Ça semblait juste. Dans la vie, il y a des choses qu'il faut faire, c'est comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas vraiment le choix. Moi, je fais juste que te rappeler que t'avais un rêve, que tu poursuivais, auquel tu tenais c'est plus que... C'est ça, mon rêve. C'est pas ton rêve. C'est mon rêve. C'est pas ton rêve. Parce que t'es déjà morte, Lisa. Tout le monde s'en fout que tu crèves parce que t'es déjà morte. Oh là là, c'est ta faute. Déni total. Vous savez, c'est un peu comme la gélatine de porc dans les bonbons. Hein. Tant qu'on la voit pas, elle n'existe pas. Elle se plaint tout le temps. Elle se plaint encore et encore. Il y a des gens qui sont jamais contents. Allons, allons, et moi aussi, je te dirai tu et je t'appellerai ma chère Tora. Mais je suis chez lui, il ne chambre pas, il ne paye pas. Qui voulez-vous que je sois? Oh, Fandori, ne te réjouis pas de mes mots. Tu as été témoin que j'ai pleuré du tien. Les gorgeons de vin et d'hydromel. Au point que la mémoire gardienne de leur cervelle ne sera plus que fumée. Mais je vois à ton regard que tu n'es pas content de mon retour. Au contraire, chérie. Tu sais, Malcolm, c'est inquiétant de voir que tu peux tout compartimenter jusqu'au point de réussir à me maltraiter tout en mangeant des pâtes au fromage. Des putains de pâtes au fromage que je t'ai faites. Tout à fait, verbalement. Je passe toute la journée avec elle, rideau tiré. On regarde la télé, on se gave, on re-regarde la télé, on se regave. Vous pouvez empêcher ça, vous? Tout est plaisir dans les détails. Parlons de plaisir. Parce qu'ils étaient tous charmés par Audrey, c'est ça? La si gentille, si douce, si transparente Audrey. Tu sais quoi? Je te vois vraiment comme un ami. Je voulais lui dire, au secours, aidez-moi, j'ai perdu mes amis. Mais avec la panique et la diminution de mon espérance de vie, j'ai dit, au secours, aidez-moi, j'ai pas d'amis. Si le livre est mauvais, pourquoi j'ai racheté le roi? Ah! Ah ben, qu'il en soit ainsi. L'étrange mort de mon père, ses obscures funérailles sans trophée ni armoiries sur sa dépouille. Tout cela me crie d'une voix qui va du ciel à la terre, qu'il faut que je cherche une explication.
parce qu'elle me l'a pas dit. Je suis pas Emma, moi. Ok, alors pourquoi est-ce que toi tu me l'as pas dit? Je pensais que tu le savais. Mais t'étais pas certain. Tu le savais pas, en fait. Je vous pardonnerai jamais ce que vous avez dit à mon frère. Vous avez tout compris de travers. Pas de doute, espèce de menteur de salaud. Non, mais c'est gênant, là, parce que... Ah oui, bah, ça doit pas t'étonner. Non, mais c'est gênant, parce qu'on sait pas si c'est le test ou... Ah, on est dans le test, là, on est dans le test. Théâtre, je crois. Le théâtre, j'ai fait du théâtre. Ah, c'est mieux. J'ai fait du théâtre en terminale. Ok. Avant, j'ai dû arrêter, parce qu'après, j'ai fait la formation pour rejoindre la compagnie de mon père. Ah, mais la compagnie de votre père, Monsieur Lelouch. Ah, ah oui, vous êtes le fils de Gilles. Ah non, pas du tout. Ah, fils de Claude. Non plus, raté. De la famille de Camille. Non plus. Non, non, il y a Marcel, il y a Josiane, il y a mon frère Lucas, mais voilà, c'est tout quoi. À côté, voilà, c'est raté. Ok. Aimable et bien fait, voilà de quoi vivre pour l'amour social. Spirituel, voilà pour l'entretien de la société, pardon. Tout en sera bon dans cet homme-là. L'utile et l'agréable, tout s'y trouve. Oui, avoir le courage et la volonté de quitter le festin de la vie. Sitôt. Ne m'interrompez pas. Je vous dis que je me souviendrai de tout, de tout, de tout. Alors, s'il vous plaît, ne m'interrompez pas. Tu me l'accordes, porc épic. Que Dieu m'accorde alors ta damnation pour ce forfait. Évidemment, parce que je t'aime. Arrête! Personne ne peut supporter plus longtemps une pareille incertitude! Mon cœur me pèse. Je vais me confesser à vous et puis... plus jamais. Je ne crains pas la mort. Je ne sais pas si tu es fou ou maléfique, mais je n'ai plus peur de toi! Je ne suis pas une voleuse, Alice. C'est bien vite. T'as intérêt à faire ça de ton journal. Parce que mon père est le chef de la CIA et il pourrait te faire buter en 5 minutes. Et tandis qu'il transpire à chaudes gouttes sur les plages de Californie, moi je transpire à trop courir entre la CAF et le Pôle emploi toutes les semaines. Ah, c'est possible. Seulement moi, je ne fais pas de la tambouille de restaurant. Je fais de la cuisine, tu entends? De la cuisine. Je ne sortirai pas mes recettes de l'air. De l'eau? Jamais, jamais. Tu crois que j'ai pas compris ton petit manège? Comme par hasard, tu sors avec le seul mec friqué dont tu tombes amoureuse dans toute ta vie, hein? Tu sais ce que signifie le mot aliénation? Non, tu le sais, toi. C'est l'incapacité à mener une vie sociale normale. C'est l'incapacité d'aimer. Chapitre 3, je ne cadre pas avec le rôle du type stupide et terre-à-terre avec sa petite maison de banlieue. Cette étiquette à la con que tu me colles depuis qu'on a emménagé et dont je veux pas, je préfère crever. Chapitre 4, tu vas où là? Là, je vais fumer. Oh putain, vas-y, tu souffles. Mais ça fait une heure qu'on répète là, c'est bon. Bon, on la refait et tu penses au lavabo frigo. Oui. Au lavabo frigo, allez. Au lavabo frigo. Et moi? Chapitre 3, je ne cadre pas avec le rôle du type stupide et terre à terre avec sa petite maison de banlieue. Cette étiquette à la con que tu me colles depuis qu'on a emménagé et dont je veux pas, je préfère crever. Chapitre 4, April! Je me fais un bisou. Le seul mot de tes salons me fait tressaillir de douleur. Espèce de. Comédienne de. Marionnette! Je me suis enterrée à jamais entre ces murs. Mais mon cœur me fait si mal. Comme si on y avait planté un couteau. Qu'ils disent ce qu'ils veulent. Car je n'ai fait que ce que je devais faire. S'il n'était pas à mon service depuis 30 ans, je lui donnerais son congé. Vous ne feriez pas ça. Oh, mais de toute façon, si je lui donnais son congé, il refuserait de le prendre. Tu sais quoi? Je te défendais. Ah ben en fait, ils avaient mille fois raison. Les pacificateurs tirent sur les gens, mais le peuple... Le peuple quoi? Il riposte. Moi aussi. Mais elle risque d'être encore plus brûlante que la tienne. Même les comptables ont de l'imagination. Compatis. Eh bien, bonsoir, Monsieur Bond.
J'en ai marre qu'on me dise « T'es trop dark, t'es trop pessimiste, hashtag corbeau, hashtag Voldemort. » Du coup, je me suis dit qu'aujourd'hui, je vais vous faire un sujet « Good vibes, arc-en-ciel et paillettes ». L'espoir fait vivre. Et je reste en vie pour croire que mon histoire et ma vie ont bien un sens. Pas très gentil de me dire une chose pareille. C'était pas très quoi? Pas très gentil de me dire une chose pareille. Et bah, du coup, on a été sur la troisième base ensemble et je me suis dit, bah pourquoi pas? Et bah vas-y, fonce! Pendant 18 ans, t'as pas bougé. Bah, je crois que t'étais en train de préparer des tartines pour le goûter des enfants. Et tu sais que c'est là que je suis tombé amoureux de toi. T'as mis direct Jack. Alors bonjour, je m'appelle Tsia Kanyang, j'ai fait 3 ans d'école de cinéma et je suis 2 fois champion du monde de boxe. Et je vous ai déjà vu quelque part, vous avez fait des émissions? Oui, on me le dit souvent, j'ai fait pire. Oui. Je cherche la dame qui... Vous êtes... Vous êtes le mec de la télé là? Ah, ok. Le comme ça là. J'adore. Je suis un grand fan de vous. Vraiment, bravo. Allez. Ah, c'est super. Bah, c'est super. Tout bon en vrai. Hein. Vous pouvez atteindre dans la salle d'attente. Gentil, merci. Je t'aime. Merci. C'est gentil, merci.